Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On est de retour ce soir sur le parc. Comme vous le voyez, je suis en Michael Jackson et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a une soirée passe annuelle. Et si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que je ne suis pas tout seul. Je vous avais promis une surprise. Elle est juste à côté de moi. Attends, elle est petite donc on la voit pas. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bridget, d'incroyable talent. Regardez-la, elle est là. C'est que toi tu es grand mon chéri. Oui, je suis un peu grand. Oui. Donc elle est là. Hi. Donc on va passer la soirée ensemble, on va passer un super moment. On va vous préparer plein de belles choses, on va vous montrer des spectacles et on va passer une très bonne soirée. Allez, générique, et n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, dis bonsoir. Mimi tout plein. Allez, c'est parti, générique. Bon, bah les moussaillons, la journée, la soirée commence bien. Qui c'est qui n'est pas là? La Bridget qui est partie faire pipi. Elle est aux toilettes. Donc voilà, donc je remets mes mèches, c'est un peu le bordel. Donc voilà, on n'est pas tout, que tous les deux d'ailleurs. Tenez, venez, viens. Regardez qui est avec moi. Hey. Coucou les amis. Voilà, Mike Jackson qui est à côté de moi, c'est ouf. Voilà, Mike de Vlog. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube hein, sur... Sur YouTube, hein? Bien évidemment. Mike the Vlog, Mike avec un Y, donc n'hésitez pas à aller le voir. Bon, bah, on attend la Bridget et puis on verra ce qu'il en est plus tard. Hein? À tout de suite. Bon, les amis, vous devinerez jamais où on est. Au coin toilette, encore. Ça va être la soirée toilette. Hein. Bon, bah, en fait, Mike, mon collègue, là, il est parti se placer pour le prochain spectacle. De la soirée passe annuelle et nous on s'est posé un peu tranquille en attendant, ils nous gardent la place et on ira après. Là il y a le spectacle Dream mais on le regarde pas, on le verra demain en meilleure qualité. Donc voilà. De plus, je n'ai pas été invitée à la fête. Vraiment. Qu'à cela ne tienne. Ce soir sera ma soirée. Celle des vilains et des âmes damnées. Ouais. Qu'une forêt de ronces soit désormais votre tombeau. Qu'un orage se déchaîne et qu'il gronde là-haut. Va, cours et porte par-delà l'horizon, autour du château et alentour cette malédiction. Ha ha ha!
forest of thorns shall be your tomb. Storm through the skies in a cloud of doom. Now with the curse to serve me well, go through the darkness to cast thy spell. Your gift of light will defeat the mistress of all evil. Soon you shall face the powers of darkness. Oh!
Bon, en tout cas, vous êtes quand même le meilleur équipage que j'ai jamais eu. Thank you.
dans les Moussaillons. On est avec Bridget, voilà. On est à Frontierland, donc on a fait les deux spectacles qu'il y avait à faire. Je vous donnerai ma conclusion un peu de ce qu'on a vu, hein, mais pas de suite. Regardez pas le maquillage, à cette heure-ci c'est une horreur, ça a fondu, hein, j'ai tout qu'à fondu. Non, t'es magnifique. Oui, c'est magnifique, oui, bien sûr. Donc c'est vraiment mini vlog. Alors là, mon pote, il est parti chasser les stickers. Bon, je trouve ça complètement nul en fait. Donc ben, on se promène un peu, il commence à faire frais quand même. La Bridget, elle a envie de faire une attraction, je ne sais pas. J'hésite. Bah oui, j'hésite parce que c'est une soirée, quoi. L'attraction, demain, chérie, on a tout le temps de faire des attractions. Oh, elle est capricieuse. Mais oui, très. Parle à tes fans. Bridgetienne, cherchez le soleil. Là, on a la lune, c'est la pleine lune. On veut pas aller tout près pour les voir. Alors, comment vous dire, Bridget, on est quand même dans une soirée passe annuelle, il y a des spectacles, il y a pas mal de choses, elle a voulu absolument faire une attraction. Et on a été à BTM. Elle ne l'a jamais fait, bien entendu, puisqu'elle ne connaît pas le parc. Bah, tes impressions? Waouh. Tu sais quoi, quand tu vas au... L'orgasme, il n'y a pas de mots, vraiment. celle-là, on ne l'avait jamais sortie quand même. BTM provoque un orgasme mais aux oui. femmes. Ah oui. Mesdames, si vous avez de problèmes de frigidité, allez faire le train de la mine à Disneyland Paris. Ouais. Vous allez y jouir, c'est sûr. Non mais celle-là, on ne l'a jamais fait. Donc voilà. Vous voulez... Ça réveille, hein, je te jure. Vous voulez faire jouir Bridget, mettez-la dans le train de la mine à Disney. Elle sera... heureuse. Voilà. Oh putain, mais c'est trop bien. Bref. Waouh. Bref, la soirée n'est pas finie. Il est, il doit être pas loin des 1h du matin. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. On va juste reparler vite fait, tant qu'on y est, des spectacles. Alors moi, pour ma part, le premier spectacle qu'on a fait à Vidéopolis, je n'ai plus les noms, je vous mettrai le nom en commentaire en dessous, là en sous-titre, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Et par contre, le deuxième sur le théâtre du château, non. Alors j'étais content, il y avait Billy Ocean et Betty Rose que j'adore, mais bah, mal éclairé. Et puis alors, on en reviendra dessus peut-être à la fin pendant le débrief. Où sont les personnages, quoi? Où sont les personnages? J'en ai pas vu, quoi. Si, il y a vu Isma. Voilà, Isma, mais sinon, et Cruella, voilà, donc, un méchant par spectacle, voilà, j'en aurais voulu un peu plus à ce niveau-là. Après, c'est des spectacles de qualité, hein, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oui, bah justement, je voulais te dire, comme toi, mais c'est complètement différent, j'ai trouvé, le premier spectacle était super, vraiment. Mais le deuxième était en extérieur, oui. Donc il n'y avait pas la même luminosité. Oui, ça manquait de lumière. De toute façon, vous verrez quelques extraits, enfin, vous les avez vus sûrement, là sur le vlog, on voit bien que ça manque de lumière. Et encore la caméra, moi, de mon côté, elle rajoute de la lumière, heureusement. Mais elle arrivait, je vais vous dire, ma caméra, elle capte les yeux. Même à très très loin, elle capte les yeux, donc on voit un petit carré. Bah, là, elle ne captait pas les yeux. C'était donc c'est que c'était trop sombre, quoi. Ouais. Enfin bref. Sur ce, je ne sais pas ce qu'on va faire.
Hein. Notre ami Mike, il est parti parce qu'il y a une course, une chasse aux stickers dans le parc. Avec des personnages, on va chercher des stickers. Personnellement, je vous dis franchement, moi ça m'intéresse pas. Moi non plus. Donc voilà, moi j'étais venu pour les spectacles, pour passer un moment avec Bridget. Donc voilà. Et puis c'est tout quoi. Donc, et puis essayer de vous faire de belles images. Donc voilà, voilà. Comme d'habitude, hein, je dis toujours donc voilà, et en plus je suis encore plus fatigué que d'habitude. Bref, je ne sais pas ce qu'on va faire. Une autre attraction. On va faire une autre attraction. Déjà, on va appeler donc Mike. Savoir ce qu'il... Parce qu'il a mon sac à dos quand même avec toutes mes affaires, avec mon argent, ma carte bleue, enfin bref. Il faudrait peut-être que je le retrouve. Oui. Et puis ouais, on va peut-être faire une autre attraction. Je sais pas, on verra. Voilà, voilà. Bon, ben à tout de suite. Have a good day. See you in there.
par les parvenaires, son prêtre, son canaille au prisme vient, ça arrivera à sa vie. Avec Mickey et Minnie, on s'apprête à lancer la saison d'Halloween! Oh oui! Oh d'ailleurs, regardez là-bas! Ils sont là! Oh, hello les amis! Mickey et Minnie, voilà les amis! Quelle soirée! Oh. Youhou! Alors les amis, on va lancer la saison d'Halloween! Oh oui! Halloween, c'est génial! On s'amuse comme des fous! Oui, ton costume est parfait pour Halloween.
Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo avec la petite Bridget. Je vais aller très vite parce qu'elle a froid et elle a envie de faire pipi. Encore et toujours, toujours envie de pisser. Dis celle-là, hein, c'est une pisseuse. C'est une pisseuse, c'est une jouisseuse, c'est voilà, la totale. Donc, si tu pouvais me donner ton avis de cette soirée, alors, sois franche. Vas-y, clair, net, précis. La soirée ? Oui, toute la soirée, du début à la fin. Bah, le début top, hein, mais après la fatigue, donc voilà. Pour moi, hein, j'ai été fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi avec l'excitation, etc. Parle un peu plus fort parce que je suis pas sûr qu'ils t'entendent. Alors j'ai dit que... Non mais pas à ce point-là. Cette femme est folle, au secours. Venez, venez me sauver, vite. Au départ, super, mais quand la fatigue arrive, on a vite envie de s'estamer. Bah, c'est vrai qu'arriver à 18h30 et finir à presque 2h15 du matin, il est 2h15 du matin, effectivement, quand on a marché toute la journée et qu'on a fait la journée, parce qu'on arrive à 18h30, mais on était là depuis le matin. Hein. Quand je dis qu'on arrive à 18h30, c'est parce qu'on est parti à 15h, de 15h à 18h30 pour que je puisse me maquiller, me préparer. Donc voilà, donc effectivement, ça fait. En plus, on a eu le train ce matin, donc ça fait énormément. Donc voilà, donc ça c'était son avis. Moi, mon avis, j'ai trouvé cette soirée sympathique. Comme je le disais au niveau des spectacles, voilà, ça manque de personnages. Le deuxième manquait de lumière en plus. L'intro du son était très sympa. Le final était très sympa. L'histoire des stickers, alors, franchement, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Et puis voilà, quoi, donc conclusion, sympathique. J'ai fait de très belles rencontres. Hein. J'ai eu quelques nouveaux abonnés. Donc merci à vous d'être là. C'est vraiment super sympa, je vous adore tous et merci pour votre gentillesse parce que franchement, tous ceux qui m'ont abordé pour des photos, ah, c'est vrai, ils ont été super cool. Vraiment, donc merci, merci à vous. Donc voilà, sur ce, elle va aller faire pipi. Moi, je vais ranger ma caméra. On va aller chercher les bagages à la consigne et on va aller dormir parce que le temps de se démaquiller, de prendre sa douche, de se coucher, demain on est debout à 8h. Oh et il est déjà 2h15, donc vous imaginez. Donc je vous dis à très très bientôt. Très très bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas qu'il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Voilà, allez, gros bisous, on vous aime, à revoir les amis.